Donc bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau mouvement dans la famille de se redresser, se relever. On va voir le Starfish Keep Up. Donc le départ, il commence assis. Donc là je vais partir sur le côté droit. Tu poses ton coude ici. Ok? Et là tu viens donner un coup de pied circulaire. D'accord? Ici, tu peux partir ici fléchi comme ça. Avec une jambe fléchie, en écart, et là, t'envoies. Ok? L'autre jambe pareil, hein. Fléchie, tu kicks, tu tombes sur ton coude, d'accord? Pour aller sur le haut du dos, t'envoies la jambe, celle-ci elle suit. D'accord? Quand t'envoies, celle-ci elle suit. Là, hop, elle suit, et ensuite elle va venir s'écarter. Donc la jambe droite, c'est elle qui va me guider. Ici. Ok? Et là, l'idée, c'est que la jambe droite, tu la montes au ciel. Donc, une fois que tu es comme ça, là, tu fais ça. Tu viens ici chercher avec la main et monter cette jambe. Ok? D'accord? Pareil pour l'autre sens. La jambe gauche circulaire, hop! Ici, je monte au ciel et j'anticipe avec la main ici. Ok. Alors attention, ce geste là, il y a deux manières de le faire. Soit tu le fais de manière circulaire, soit droit. Tu envoies ce jambe, celle-là au ciel. Si la gauche, tu la continues à la faire tourner dans le sens, d'accord, dans lequel tu es parti. Là on est sans aiguille d'une montre. Si cette jambe tu la tires comme ça, tu vas te relever en toupie, en tournant. Ok, si cette jambe tu l'arrêtes et elle revient rejoindre celle-ci, là tu contrôles plus ta relevée et tu remontes en roulade arrière en ATR, appui tendu. Donc le geste que tu dois maîtriser, c'est la roulade arrière et la remontée en ATR, en appui tendu, renversé ou en poirier si tu préfères. Donc la roulade arrière, ok, et ensuite tu vas enchaîner par le piqué, remonter en piqué poirier. D'accord? Ce geste-là, on le voit en fait dans la famille des acrobaties, des roulades. Comment ce geste? Ici, je suis en écart assis, ok? Je vais balayer à droite, comme ceci, j'envoie et kick. D'accord? D'où le mot kick. Je vais kicker avec la jambe, qui va m'emporter en l'air. Ok? Donc le fait de donner de l'élan avec les jambes, tu vas du coup moins forcer sur les bras pour monter ton poids de corps, pour soulever ton poids de corps. Ok? Je fais la démonstration en rapide. Ok, donc là, j'ai pas exagéré sur le kick. Plus tu vas vite, mieux c'est. Maintenant, je vais donner plus de vitesse. Ok. Maintenant, je vais te montrer comment enchaîner à la fois à droite et à gauche. D'accord. Roulade, écart assis, on fait le starfish et on recommence dans l'autre sens. Donc ici, je suis comme ça, naturel. Ok. Hop, roulade, starfish. Je recommence sur ce côté. Starfish. Donc tu vois sur le dernier que j'ai pivoté. D'accord? Je suis venu, j'avais à la fin tellement j'ai pivoté, j'avais ma main qui était fléchie. Le mieux c'est pas le faire. Ça c'est des mauvaises habitudes que j'ai gardées dans la danse hip-hop. Le mieux c'est de monter droit. C'est plus efficace, plus direct et moins traumatisant. Alors on y va. Je recommence. Ici. Non, c'est simple pour monter droit en fait. Tu tournes et à un moment donné, celle-là, tu ne l'envoies pas ici. Tu la bloques pour l'amener vers le haut. Cette jambe directrice, c'est toujours la jambe directrice que tu fouettes. Hein. La jambe directrice, celle-là, il ne faut pas seulement la lever, mais aussi la tirer en arrière, d'accord? Pour essayer de tomber sur les pieds derrière directement. Regarde, si je fais ça comme ça, ok? Quand je vais tirer avec les mains, mon équilibre, d'accord? Je vais rester sur les mains. Moi, ce que je veux, c'est me redresser sur les pieds, d'accord, me retourner. Donc mon pied directeur, je vais l'amener tirer le plus possible à l'arrière. Démonstration. Ici, je tire, hop hop, j'accompagne, hop, je lève. Celle-là, elle continue à l'arrière. Je mets ma main ici et je monte comme ça. Ok? Allez, je te fais la démo.
vitesse normale ici et je suis remonté. Après, ce que tu peux faire sur ce mouvement là rajouter du style. Donc imaginons tu es debout, tu vas venir faire un slide ici, hop, et tu enchaînes, ok? Donc slide et tu montes. Slide, c'est pareil, on le verra dans une autre famille aussi. Ça concerne le parcours, l'art du déplacement. Allez, je te remontre, cette fois-ci sans tourner, tranquille, roulade, j'anticipe, je remonte, ok? J'enchaîne, j'anticipe, je remonte. Donc là, tu vois que j'ai moins tourné que la première série, d'accord? Pourquoi? Parce que j'ai utilisé ma jambe directrice, c'est-à-dire je vais venir tirer le plus à l'arrière possible pour donner la direction à suivre. Si je le fais pas, en fait, du coup, l'autre jambe, elle va venir tirer aussi, je vais continuer à tourner comme une toupie, et quand je vais remonter, en fait, je vais remonter en tournant, en pivotant, ça donne un style, mais pour moi, c'est moins efficace. Alors, n'hésite pas à donner de la vitesse, hein. Ici. Là, j'ai tourné. J'ai moins tourné. Donc voici pour ce mouvement-là, je t'avoue, c'est un mouvement qui est assez complexe. Il faut d'abord maîtriser la roulade arrière, monter en ATR pour ça. Mais bon, c'est un mouvement qui est efficace aussi. Une autre manière de te relever. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas dans les commentaires à me dire si tu veux plus de renseignements sur ce geste-là. Je n'hésiterai pas moi aussi à te donner plus d'infos. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.